Yo les gars, c'est Rectime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo actu sur Fortnite Battle Royale, dans laquelle je vais vous parler de la fin des avions qui sont censés disparaître dès le début de la saison 8 sur le jeu. Je vous parlerai d'ailleurs aussi d'un possible système de respawn qui pourrait aussi débarquer très prochainement. Et puis pour finir, je vous parlerai des derniers défis d'ultime effort qui viennent de débarquer sur le jeu. Sur ce, on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer, nous allons parler des avions qui vont bientôt être retirés de Fortnite lors d'une sorte de foire aux questions ouverte sur Reddit. Les employés de Epic Games ont répondu à de nombreuses interrogations de la communauté de Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui, ils ont tout simplement confirmé que les avions X4 Aquilon allaient bien être retirés du jeu. Plus précisément, ils seront remisés dès l'arrivée de la saison 8 dans quelques jours. Je vous affiche d'ailleurs une petite screenshot de ce qu'ils ont dit. Et tout simplement, ils ont dit, donc la communauté a dit, est-ce que les avions seront partis la saison prochaine? Et Epic Games a répondu, les avions seront remisés au début de la saison 8. En voulez-vous maintenant? Soit disant donc qu'il faut vraiment en profiter un maximum avant le début de la saison 8. Il faut savoir d'ailleurs que suite à de nombreuses plaintes tout au long de la saison 7, il faut savoir que les développeurs ont compris qu'il fallait se débarrasser de ce moyen de transport. Et d'ailleurs, j'en suis fier hein, parce que très franchement, ça commençait vraiment à me casser les pieds pour parler poliment. Voilà, franchement, il n'y avait plus aucun intérêt, je trouve. Voilà, c'était simple, on avait juste à prendre un avion, à rester en l'air et à attendre. Enfin bref. Je trouve ce véhicule sans aucun intérêt. Et du coup, les gars, c'est une nouvelle qui a été extrêmement bien accueillie par la communauté, donc qui attendait cela depuis un moment. Et j'en fais d'ailleurs partie. Voilà. Pour continuer, les gars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va désormais parler d'un possible système de respawn qui pourrait arriver sur le jeu. Il faut savoir, les gars, que comme je vous l'ai dit, il y a eu une foire aux questions sur Reddit. Donc il y a eu le sujet des avions, mais il y a aussi eu le sujet d'un nouveau système de respawn. Donc en fait, il faut savoir tout simplement, les gars, que le studio a délivré donc quelques infos à propos d'un possible système de respawn. En réponse donc à une question de l'internaute C4 Falcon à ce sujet, un producteur du jeu sous le pseudo RZE Live a confirmé qu'Epic Games se penche actuellement sur ce sujet. Ils ont tout simplement dit, et je vous mets d'ailleurs une petite screenshot à l'écran, cela fait un moment que l'on réfléchit sur une nouvelle mécanique de respawn. On veut être sûr de se donner le temps qu'il faut et étudier à 100% l'impact d'un tel changement sur le jeu. Vous aurez plus d'infos sur le sujet pendant la saison 8. Donc il y aura donc affaire à suivre durant la saison qui débarque, je rappelle, très prochainement sur le jeu. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, Apex propose déjà un système de respawn dans le sens où un membre de l'équipe peut faire réapparaître un coéquipier éliminé en apportant sa bannière à une balise s'il n'a pas réussi à le réanimer au préalable. Sur Fortnite, vous le savez, si vous êtes joueur Fortnite, vous le savez, un coéquipier éliminé ne peut pas être ramené à la vie s'il n'est pas réanimé. Voilà, donc dans cette question, enfin dans cette séance de questions-réponses, on a donc parlé des avions, on a donc parlé du respawn. Et donc pour finir les gars, la vidéo, je voulais aussi vous parler des derniers défis d'ultime effort qui viennent d'arriver sur le jeu. Cela donc fait maintenant quelques semaines que les joueurs tentent de réaliser des défis pour avoir le pass de combat de la saison 8 gratuit. Et il faut savoir donc que hier, 4 derniers défis se sont donc mis sur le jeu. Donc il faut savoir aussi, je vous le répète, je l'ai d'ailleurs dit dans une dernière vidéo, qu'en faisant 13 défis, vous allez pouvoir obtenir gratuitement le pass de combat de la prochaine saison qui est donc imminente. Et donc sans plus s'entendre, sans transition, on va directement passer au défi, aux 4 derniers défis que vous pouvez d'ailleurs voir à vrai écran. Parmi les 4 derniers, il y aura le défi de faire des parties de chevaucher avec un ami. Il faudra au total en faire 3 et cela vous rapportera 510 XP. Il faudra aussi remercier le chauffeur du bus dans plusieurs parties, exactement 7 parties. Cela vous rapportera aussi 510 XP. Il faudra aussi fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à un circuit de course ou un club de danse. Il faudra en fouiller 7, cela vous rapportera 510 XP. On avait d'ailleurs eu un défi similaire au début des défis d'ultime effort, notamment avec le bloc ou une aire de camping, je sais plus trop, mais bon, bref, il faudra aussi survivre à 75 adversaires en une seule partie, soit à peu près faire un top 25 dans le jeu, et vous gagnerez donc un écran de chargement. Voilà ce qui est donc pour les 4 derniers défis des défis d'ultime effort qui, je rappelle, se terminent très bientôt. Donc profitez-en, les gars, si vous voulez
tout simplement économiser vos V-Bucks pour tout simplement avoir le pass de combat saison 8 gratuit, c'est le moment, profitez-en. Alors je vous parle, il reste actuellement 4 jours pour les réaliser, donc franchement c'est pas très compliqué, faites-les. Voilà, la vidéo de Léa touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas dans mon habitude de vous faire une vidéo sur plusieurs sujets à la fois, mais comme aujourd'hui j'avais vraiment 3 petits sujets à vous communiquer, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo Actu Fortnite. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, d'autant plus qu'on vient d'atteindre les 3500 abonnés et je suis sûr qu'on peut atteindre les 4000 très prochainement. En tout cas les gars, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rectime, à très vite.